Bravo. Ce livre, c'est pour Daniel, je ne sais pas qui est Daniel, et on m'a laissé le livre ici. J'étais là. Là, je crois que... C'est pour qui ce livre? Pour Yann. C'est votre livre? Non, c'est le... Les quatre jambes. En fait, il était à cheval. J'ai eu très peur et je me suis enfui à toute vitesse. C'est la première fois que je voyais un blanc. Lorsque vous avez vu un avion pour la première fois, vos anciens vous ont dit « Ne regarde pas ce grand oiseau, il va nous apporter du malheur. » Nous avons entendu un jour un bruit épouvantable. On a cru que c'était un sanglier géant. On l'a chassé pendant 3 jours sans le trouver. Quand l'avion est repassé, c'est Cano, un vieux, qui l'a vu en premier. Il nous a dit « Ne regardez pas, c'est un grand oiseau qui peut nous faire du mal. » C'est incroyable que nos anciens aient tout de suite compris que c'était un mauvais présage. On sait ce que les blancs vous ont apporté. Vous ont apporté la variole. Je crois qu'ils ont jeté des couvertures de variole. Ils écoutent tout le monde et ils laissent la voix des caciques parler pour lui et lui dire ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il est tellement respecté. Il ne possède rien et ne donne d'ordre à personne. La notion de chef est bien différente chez eux que chez nous. Alors, dans ce cas particulier, j'ai été le voir, je lui en ai parlé, il a fait venir tous les chefs, ça a pris pas mal de temps parce qu'il venait de très très loin, et chaque chef s'est levé, s'est exprimé, et tous ont dit, oui, il faut faire des mémoires de Raoni, il faut qu'on se rappelle de tout ce travail qu'il a fait pour nous, il faut que les jeunes, nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui ne sont pas encore nés, connaissent la vie de Raoni, parce que c'est grâce à lui que nous avons toute cette terre aujourd'hui. Alors, une fois que tous ont parlé, tous ont dit la même chose, c'est ainsi qu'ils ont donné leur accord et qu'ils m'ont demandé d'écrire ces mémoires. À la suite de quoi, j'en ai rendu chez moi au Brésil où j'habite et nous avons passé de longues semaines à récolter toutes ces histoires jusqu'au jour où il m'a dit « Mike Umbré ». J'ai dit « Voilà, c'est tout ce que je peux te dire jusqu'à ce jour ». Et puis bon, je les ai mis en forme et voilà, le livre est sorti aujourd'hui. Le grand espoir de Raoni avec ce livre, c'est bien sûr de transmettre aux futures générations ce qu'il a fait lui dans sa vie pour que les nouvelles générations veulent poursuivre cette culture Kayapo formidable, cette tradition et ses coutumes et ne pas être engloutis par la civilisation occidentale qui les entoure. Et son rêve aussi, c'est de trouver une solution avec ce livre et le revenu de ce livre que nous partageons tous les deux, de soulever des fonds et des soutiens dans le monde entier, au Brésil comme ailleurs, pour trouver des financements pour créer un institut Raoni qui n'est pas encore sorti de terre, mais qui a déjà reçu beaucoup de soutien, notamment du président Chirac. Et nous espérons, durant ce voyage en Europe, obtenir aussi le soutien. Après-demain, nous allons voir le prince Albert de Monaco. Nous allons rencontrer d'autres personnalités très importantes qui toutes veulent soutenir cet institut, dont la vocation est de sécuriser cette zone, cet immense territoire une fois pour toutes, en organisant la surveillance des frontières, en nettoyant les limites qui sont sans arrêt recouvertes de broussailles, en ajoutant un morceau où sont enterrés ses ancêtres, et également donner aux Indiens une alternative économique en leur permettant de vivre dignement sur leurs terres plutôt que de servir de main-d'œuvre bon marché dans les fermes avoisinantes ou en travaillant sur ce barrage qui risque d'être construit. Donc son grand combat aujourd'hui, c'est cet institut, et c'est essayer d'empêcher la construction du barrage qui serait vraiment pour eux la lalie. Nasceu junto
Umemwaligwa sio umaligwa, itende tutu. Kumu, wai noi, usipara dewe, noi. Anigwa noi sema ipenere. Ipenere ki fei, tutu koja, pra noi. Comer encheu barriga, dormi bem, esse pai nós vem pra nós. Bom, il a raconté d'abord en caiapô et puis il a parlé en portugais pour raconter l'histoire qui est qu'auparavant, il y a très très longtemps, il n'était qu'un seul peuple et ne parlait qu'une seule langue. Et que nous avons un dieu, eux ils ont un dieu aussi, un dieu unique qui s'appelle Imprere, qui a tout créé, qui a créé la nourriture qui, avec laquelle ils se remplissent le ventre, et qui a... Il a créé tous les animaux, il a créé toutes les plantes de la forêt. Oui, c'est pas comment on fait pour les questions. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on aurait un visuel où exactement ça se trouve en Amérique. Ah, dans le livre, il y a une carte, mais. Mais on a, c'est vrai qu'on n'a pas amené de carte avec nous. Non, mais dans le visuel. Ah, dans le Brésil, ça se situe dans l'état de Pará, entre. C'est au sud du Pará, au nord du Mato Grosso. C'est le long du Rio Xingu, qui est un des grands affluents de l'Amazonie, un des derniers grands fleuves non pollués encore. Oui, mademoiselle. Je voulais savoir quelle est l'attitude de Lula, puisque quelle est l'attitude de Lula, puisque c'est lui qui est finalement, par rapport à toute cette zone amazonienne dont il est le détenteur et j'allais dire le décisionnaire par rapport à ce qu'il entend en faire et comment dire, accepter, allouer comme droit au, voilà, soit au aux recherches de, aux chercheurs de pétrole ou qu'est-ce que cette personnalité forte fait actuellement ici et maintenant pour les Indiens. Je vais vous parler du président Lula. Le président Lula n'est pas comme le président antique, n'est-ce pas? Le président de José Luis Kubitschek. Il n'est pas pensando para barrage. Il ne parle nada. Il ne pensait pas, il n'est pas comme les autres présidents avant lui, comme par exemple Joselino Kubitschek. Raoni a connu de nombreux présidents du Brésil. Il dit que ses autres présidents ne parlaient jamais de barrage. Ni il, ni Julia Sané, ni Tancredo Negre, ni, comment ça va, autre président, c'est Collor. Il parle de tous les présidents avant Lula, comme Collor, comme Tancredo Negre, Fernando Henrique. Il n'a pas de mandat, pas de pessoas. Vai fazer barragem. Então, tudo bem. Eu gostei de trabalhar do presidente antigo. Je vais le travail des anciens présidents. Tudo muito vota com ele. E nós avons tous voté pour Lula. Vota com ele. Tudo muito, né? Tout le monde a voté pour lui. Então, o Lula está querendo acabar mato. Mais Lula, semble-t-il, veut en finir avec la forêt, il veut tout saccager. Je pense que Lula ne pense pas bien, ne pense pas correctement. Je lui ai dit, vous devez nous respecter, nous vous respectons vous, vous devez nous respecter aussi. Nous sommes tous des humains. Nous ne sommes pas des animaux. Vous avez compris? Oui. Lula n'est pas juste.
nous sommes très préoccupés parce qu'il va en finir avec tout, avec la forêt, avec les animaux. Quand je vais retourner au Brésil, je vais aller le chercher, je vais aller lui parler. Je vais lui parler. Bravo. Mais comme nous sommes partis, nous ne savons pas. Nous saurons lundi le résultat de la conversation entre Chirac et Lula. Et nous espérons voir le président Sarkozy lundi. Kamama. On va attendre encore un peu. Alors, le question, est-ce que le jeune Raoni peut nous parler de la signification de son nom? Comment Raoni il fait pour manger? Ça, là, je voulais pas la louper, celle-là. La signification de son nom, je peux vous la donner. Ça, Raoni veut dire la panthère, en sapital, c'est le jaguar. En fait, ils sont le peuple du jaguar. C'est pour ça que les femmes qui aiment un homme ou qui sont intéressées par un homme le griffent. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux savoir comment ils mangent? Oui. Ils mangent comme tout le monde, hein? Il veut pas, il mange comme tout le monde. Nous allons mettre bientôt une pétition en ligne dans les jours qui viennent pour demander à tout le monde de la signer. Voilà, ce sera sur le site. Estou preocupado com esse como é que é o costume de vocês. Oui, je suis inquiet par ces habitudes, ces coutumes à vous qui commencent à envahir nos villages. Les femmes qui veulent porter des robes et les hommes des chaussures. Avant, ça n'existait pas. Nous vivions nus, nous n'avions rien de tout ça. Oui, monsieur, au fond. Bien fort, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Alors, en fait, je voudrais savoir s'il existe une confédération des Indiens d'Amérique du Sud, puisque je suppose que le cas des Indiens brésiliens n'est pas isolé. Donc, je voudrais savoir si, par hasard, le chef Raoni a déjà rencontré des chefs indiens d'Argentine, du Chili, et s'il existe une confédération pour avoir plus de poids politique pour défendre la forêt où qu'elle se trouve. Écoutez, oui, il a déjà rencontré plusieurs chefs d'autres pays. Oui, de quatre pays différents d'Amérique latine. Oui, je crois que c'est le Pérou, la Bolivie et Équateur. Argentine aussi, oui. Que terra para não vamos acabar depois. É isso que eu estou preocupado. Non, il dit qu'avec le livre, il dit que quand il vient ici, c'est très important, il sent le soutien du monde entier pour cette cause. Et c'est aussi pour ça qu'il a fait ce livre, pour faire parler de ce combat. Et que surtout, il voudrait trouver ici les moyens et les soutiens pour tracer, refaire toutes les limites de cette immense réserve qu'il défend avec âpreté et acharnement et beaucoup de courage depuis maintenant près de 40 ans. Voilà, ils ont d'abord perdu toutes leurs terres, maintenant ils les ont récupérées, et maintenant on essaie de les en chasser, on essaie de les engloutir avec des barrages, ils sont envahis par des chercheurs d'or, par des compagnies forestières qui vont là chercher les dernières grandes réserves de bois précieux comme le teck ou le jacaranda qui se trouvent encore là au cœur de leur réserve. Et donc voilà, le combat continue pour lui. Il a encore la santé, mais c'est sans doute son dernier combat maintenant. Voilà.
Nada, nada, nada. Il dit rien. Oui, 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 je pense que c'est bon. On l'a édité pour éviter des choses trop dures. Donc c'est un livre, oui. Je pense que les enfants, à partir de 8-9 ans, peuvent commencer à le lire. Oui. Alors, je suis français et brésilien. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de barrage, voilà, seulement quand j'ai appris votre arrivée. Et je voulais savoir, ça fait longtemps que je suis rentré au Brésil, et je voulais savoir si dans la télévision et dans les journaux du Brésil, ils parlent de cette histoire. Est-ce qu'il y a une médiatisation en ce moment sur ce barrage ? Énorme, et une énorme médiatisation, mais on ne prend jamais en compte les demandes des Indiens. Les Indiens n'ont pas été consultés, et en fait c'est même illégal, puisque dans la constitution brésilienne, il dit clairement que de grands ouvrages, des barrages, des choses de ce genre, sur les terres indigènes doivent être faits avec l'accord des tribus concernées. Et là, on n'aura rien demandé. Raoni a parlé à Lula il y a plusieurs mois, il lui a dit, il ne faut pas que tu signes les papiers autorisant la construction de ce barrage. Lula a dit non, je ne le ferai pas. Mais il l'a fait. Et en ce moment, il y a une licitation, comme on dit au Brésil, il y a une espèce d'appel d'offres pour les différentes sociétés qui veulent construire ce barrage, et tout le monde est persuadé que ce barrage va être construit. Et ce n'est pas un barrage, c'est le sommet de l'iceberg. Ils veulent faire 220 barrages dans tout le bassin amazonien avant 2030. Et le barrage qui concerne la région de Raoni s'appelle le Belo Monte. Et il semblerait que ce n'est pas un barrage, mais 7 barrages qui vont être construits et qui vont engloutir une grande partie de leur terre. C'est pour ça que Raoni est très inquiet et il est venu pour la promotion de son livre, de ses mémoires, mais il en profite aussi pour alerter l'opinion sur ce grave danger qui pèse sur eux. Et je pense que c'est une catastrophe écologique en devenir. Madame, écoutez, pour l'instant, on pense qu'il faut intéresser peut-être des grosses sociétés qui veulent associer leur image à la défense de l'Amazonie et qui peut-être participeront à la construction, au financement de l'Institut. On pense que ce n'est plus tellement le moment de demander 2 euros, 5 euros, 10 euros aux bonnes âmes, et chacun a ses problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les grands ce monde se montrent solidaires de cet effort. Et donc, c'est un petit peu là, la pétition est très importante pour montrer justement aux politiciens qu'il y a une préoccupation sérieuse de l'opinion publique. Mais au niveau des aides, nous souhaitons que les gens signent cette pétition et qu'ils fassent entendre leur voix, parce que nous sommes tous les citoyens d'une même planète, et donc il faut être attentif et solidaire à ce problème qui confronte les Indiens et qui nous concerne tous. Voilà, je pense que... Ces barrages sont censés répondre à quel besoin, quelle est la justification ? Un besoin énergétique du Brésil qui a une économie... grandissante et galopante, et le sort des Indiens n'est qu'un tout petit poids dans cette balance. En plus, ils n'ont pas de puissance électorale, puisqu'ils sont très très peu, donc ils n'influencent en rien les élections. Le combat peut se mener là-dessus, quoi, sur quel est l'objectif des barrages et comment détourner ça. Il faudrait trouver d'autres sources d'énergie propre. Les hydroélectriques sont de l'énergie propre, en fait. C'est mieux que d'autres, que les centrales de charbon ou autres. Mais l'énergie éolienne, par exemple, au Brésil, devrait être développée, puisqu'il y a tellement de vent dans le nord du Brésil, il y a des alizés qui souffrent toute l'année. Ils pourraient mettre là des milliers de tours qui remplaceraient les barrages, s'ils le voulaient. Il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu, c'est très compliqué. Nous ne sommes pas en mesure de poser des jugements à ce niveau. Nous ne connaissons pas tous les dessous et toutes les transactions qui se déroulent en ce moment. Il y a des lobbies quand même, hein. Il y a des gros lobbies. Mais oui, il y a des gros lobbies. On va prendre deux dernières questions, madame et mademoiselle. Voilà. Madame.
Hop, petit, petit. Hop, hop, hop. Ne lève pas ta main tout le temps. Ça, vous le saurez si vous allez sur Internet vous en faire, parce que ça change sans arrêt. Ils créent de nouvelles sociétés, ça change de nom et on ne sait pas très bien qui est derrière quoi. Mademoiselle ? Moi, je voulais juste donner une information. Je n'ai aucune certitude de ce moteur de recherche, mais il y a Ecosia qui s'appelle. C'est un moteur de recherche pour la forêt amazonienne. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais normalement, à chaque recherche que l'on fait, il y a 2 mètres carrés de forêt amazonienne qui sont sauvegardés. C'est un moteur de recherche qui s'est soi-disant monté pour faire quelque chose pour la forêt amazonienne. Moi, je l'utilise plutôt que de donner l'argent à Google. Je préfère le donner là. Dernière vraie question. Ouais, parce que c'est pas une question. Ouais. Est-ce que le réchauffement de la planète a une influence sur la forêt pour le peuple d'Amazonie? Ça, c'est une question. Voilà. Est-ce qu'ils ont ressenti une influence du réchauffement climatique?